Oh, il est fatigué. Tu dors? Et nous voilà du coup dans un petit endroit insolite dans lequel on ne pensait pas du tout aller en allant en Asie. Petit instant pub, ils font une école de musique. Voilà, c'est des âmes charitables, vous pouvez toujours aller leur faire un don. Donc on est à une école de cirque en fait et d'art qui est à Battambang au Cambodge. Et bah, on pensait pas s'arrêter dans un truc comme ça, mais c'est plutôt sympa. On va aller participer du coup à un show de cirque. Je sais pas exactement sur quoi ça va s'attarder, mais c'est la petite surprise pour l'instant de Battambang, en espérant qu'il y en ait d'autres. Et on vous laisse sur quelques images. On s'est fait prendre en fait par un tuk-tuk pour aller voir des trucs et tout. Il y avait deux Allemandes avec nous. Qui voulaient aller voir une ferme crocodile. Crocodile et tenir des bébés dans les mains. Bon, voilà. Alors, déjà, ça, l'idée, nous, c'est de ne tenter pas trop. Après, on s'est dit, bon, on est peut-être un peu négatif sur les bords. Oui, j'avoue. Ça coûtait 2 dollars, on a dit, bon. Mais finalement, ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'en fait, ça donne vraiment l'impression d'être un parc à abattoir juste pour récupérer la peau ou un truc comme ça. On est peut-être médisant, hein. Vu le nombre de crocodiles et comment ils sont traités, ils sont juste dans des enclos vite fait. Ouais. Comme on peut voir en France et tout, mais là, c'est le fait qu'ils soient en masse. J'ai déjà vu des trucs comme ça en France. Oui, déjà vu des fermes crocodiles, mais là, c'est pas autant en masse, oui. Qui a aménagé l'endroit. Oui, voilà, c'est ça. Là, tu sens que c'est. C'est ça que je veux dire, j'ai l'impression que c'est ça fait un truc. En ouais, voilà. Bah, après, est-ce que c'est bien différent que des poules ou des cochons en abattoir? Bon, voilà. Mais bon, ça fait bizarre. Il les faisait tomber dans ce trou, les petits bébés. Un lieu, encore une fois, juste à côté d'un lieu touristique. Personne. Et tout autour, le silence. This? Inside. Yeah. Okay. And ice. Okay. Hello. Suzai. Suzai. Petit matin, il est 7h15. On est allé hier soir. Bon, on est sorti déjà, mais avant, on est allé directement demander à une personne pour si c'était possible de venir avec elle en bateau. Bon, ça se fait, hein, c'est assez commun. Mais c'est mieux déjà que de prendre le bateau de touriste, parce que les bateaux de touriste, c'est des énormes bateaux avec plein de places et des gilets, etc., etc. Et là, en fait, c'est moins cher, ça en a pour 10 $ normalement, contre 20 ou 30 avec le truc de touriste là, par personne, des fois en plus. Après, ça va voir. Et là, ça nous fait vraiment une balade super sympa. On va bientôt se diriger du côté du marché ou du village flottant. Donc, il y aura l'occasion de faire pas mal de jolies photos. Et en plus, on profite des belles lumières du matin, donc c'est juste parfait pour commencer la journée. C'est les petits qui gèrent leur barque avec le chien. Pourquoi le chien? Et là, à l'intérieur, des sortes de petits supermarchés flottants.
a des trucs qui tombent depuis tout à l'heure sur le toit et qu'on a vu tomber là-bas. Du coup, je suis allé récupérer le fruit qui est tombé en question. Il y a aussi ce que Maxence disait, un coléoptère, mais ça ressemble pas trop à un coléoptère. Ça a des grandes antennes et ça nous fait peur parce que ça fait beaucoup de bruit et c'est très gros. Et plus les geckos qui tournent autour, bref, les sauvages. Donc du coup, j'ai pris mon couteau pour goûter. Tu sais, c'est les trucs qui découpent en... Les singes. En tout cas, c'est tout mou. J'ai pas coupé la meilleure part. J'ai goûté. Et tu me diras ce que t'en penses, mais en vrai, moi la mangue, j'aime pas trop. Mais c'est un goût qui se rapproche de la mangue. Mais c'est bien sucré. Vas-y, va toucher ton PC après. Ça glisse. Non, mais... une limace. Non, franchement, goûte, c'est un bon goût, je pense. Pour ceux qui aiment la mangue et tout, c'est bon. Hein. C'est vachement sucré. Vachement fibre aussi. Ouais. Entre les dents. Alors, verdict. Ouais, c'est pas mal là. Franchement, ça passe bien. Et Photopia, nous voilà arrivés à Phnom Penh, capitale. C'est bien la capitale? Oui, c'est la capitale du Cambodge. Baptiste a vu une petite rue plein d'art. En fait, ça nous amène à une galerie, c'est ça? Je crois que c'est là. Ça va être juste derrière là. On va voir ça. Je pense qu'on va juste regarder, jeter un coup d'œil. Voilà. Et on se balade dans la ville. Il fait très très chaud. Vraiment très chaud. Et il y a toujours plein de tuk-tuk qui nous abordent pour plein de choses, alors que nous, on veut simplement marcher dans les rues et parler aux gens. Mais il y a quand même des petites choses à faire sympas. Il nous reste une dizaine de jours là au Cambodge. Le temps d'en voir pas mal de choses et après on va descendre dans le sud. Petite dédicace rapide, parce qu'Antoine a parlé de qu'on était dans une ruelle et qu'on s'était un peu perdu. Et on tombe sur des street art. Je fais juste une petite dédicace à une page Instagram que je tiens avec mon cousin qui s'appelle Talking World. Et en fait, partout dans le monde, on prend des photos du street art qu'on voit. Par exemple, au Cap Vert, ça peut être des toutes petites choses, des gravures. Ça peut être dans Lyon, à Paris. Ça peut être aussi à New York. Et en fait, on essaye de promouvoir un petit peu cette culture qui permet d'animer les rues. Et en fait, c'est toujours un plaisir de partager tout ça autour du monde. Et des fois, on retrouve certains artistes très connus. En plus, c'est énorme parce qu'il y a plein de styles différents. Que ce soit de l'écriture, du réalisme, du lettrage. Donc on vous met le lien dans la description. Je sais pas comment il est quoi. Dans les cabines pour retirer de l'argent, ils nous mettent la climatisation à fond. Du coup, nous, on y reste, mais on est un peu comme deux touristes dans un aquarium. J'ai suivi Baptiste un petit peu plus loin, et après, il commençait à partir et je suis rentré en fait dans une espèce de bâtiment qui est tout en briques, qui est assez massif et impressionnant. Et en fait, normalement, vous verrez sur la vidéo, mais en fait, il y a plein de chauves-souris qui sont juste là. On a vraiment un stock énorme. Et en fait, tout en bas, il me semble que c'est un rez-de-chaussée. Tout en bas, c'est forcément un rez-de-chaussée. Il me semble que c'est une école. Donc c'est assez surprenant. Et tout le haut n'est pas fini, en fait. Mais ça sort de nulle part. Absolument de nulle part. On voulait vous dire quelque chose de pas très important avec Baptiste, mais qui est marrant à voir. À Phnom Penh, en tout cas. Je sais pas si dans les autres grosses villes, genre Siem Reap et tout, c'était un peu comme ça. Si, peut-être ouais. Bien, ouais. Mais en tout cas, à Phnom Penh, ça se voit énormément. Bangkok, c'était un peu la même chose. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que la plupart des rues, la façon dont elles sont agencées... Oh, c'est joli là-bas. On va peut-être y aller. La plupart du temps, la façon dont elles sont agencées, en fait, elles sont vraiment catégorisées. La rue qu'on vient de passer, c'est la rue des vélos. Il y a la rue des pharmacies. Il y a la rue des banques, il y a la rue des téléphones. C'est c'est assez abusé la façon dont c'est organisé. Mais du coup, ils se font aussi face, tous les concurrents. Mais c'est assez marrant à voir. On tombe toujours sur des rues remplies de plein de choses. Et là, on va essayer de traverser. C'est un peu dangereux, on se fait klaxonner.
rappelle. Terminer du coup le musée du génocide des Khmers Rouges qui est arrivé en 1975, parce que maintenant je connais tout par cœur. Musée très intéressant, un peu dans la même lignée que ce que fait Auschwitz pour ceux qui sont allés le voir. Vraiment sympa, ça nous a pris combien de temps pour... Ouais, je sais pas dire, c'est 2-3 heures je crois. 2-3 heures, ouais, c'est ça. 2-3 heures avec les écouteurs audio. Du coup, on s'est arrêté juste après. Plein de bonnes choses intéressantes, c'est quand même à faire je pense quand on va au Cambodge, parce que c'est quand même un... Surtout le fait que ça soit arrivé que très récemment, c'est assez impressionnant de voir à tel point ça peut déclencher un génocide aussi fort que celui-ci. Mais voilà, on vous laissera du coup aller le voir, pour ceux que ça intéresse. Non, c'est très bien aller voir parce que ça permet de comprendre l'histoire récente du Cambodge, voir l'évolution et cette profondeur que les gens ont avec les sourires, en fait, c'est pas la même approche. Ouais. C'est vraiment, t'as pas la même vision du Cambodge après. Ouais, c'est comme ça. Je t'ai dit, Zavik. Heureusement, j'ai des Speed Cross 4. Elle est partout.